On a eu à parler un peu avec Ozoa, qui vraiment, on a fait un petit reportage. On est allé dans ses magasins et tout ça. Dans son magasin, elle a parlé de ses différentes marques et tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui à Ozoa, qui n'a jamais voulu aller face aux caméras et tout ça? Aujourd'hui, elle a dit que c'est sa première émission télé. Donc, aujourd'hui, pour sa première émission télé, Ozoa, qui est tout le temps insulté, qui est tout le temps critiqué, qui est jalousé parfois, parce que beaucoup de personnes aimeraient être à sa place, à tes côtés, qu'est-ce que tu aimerais dire à Ozoa devant la nation ivoirienne et toutes ces personnes-là qui nous suivent, et aussi, par ailleurs, à ces personnes-là aussi qui la traitent de repéro, d'attraper sa coche, de suiveuse et de tout ça? Qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui? Eux-mêmes, je n'ai rien à leur dire, me donne la paresse. Mais à mon élément, elle sait déjà, mon cœur, tu sais déjà. Mais c'est quoi? Oh, tu sais, mon amour. Quand elle était soulevée, elle était soulevée. Non. Ah. Non, en fait, j'aimerais lui dire de rester elle-même. De surtout continuer sur la voie sur laquelle elle a décidé de se mettre. Parce qu'aujourd'hui, je suis fière d'elle, en fait. J'ai eu à fréquenter des gens, à avoir des petites sœurs. Et puis, elles m'ont toutes déçue. Surtout parce qu'elles n'avaient pas compris qu'il faille devenir quelqu'un soi-même, pas en étant derrière quelqu'un. Mmh. Et Ozoa, elle a compris. Elle a compris, tout simplement. Elle s'est dit... Je pense qu'à force de lui parler, de lui faire comprendre que c'est vrai, je suis là, je t'aime de tout mon cœur. Tu n'es pas mon amie. Tu n'es pas ma camarade. Tu es ma petite sœur. C'est pas pareil. Donc, à aucun moment, je devrais être là. Et toi, là. Mm-hmm, jamais. Tu t'amuses à être là. Il m'en va. Je te laisse. Je te laisse derrière. Et franchement... Je lui ai dit ça, je lui dis ça souvent, je répète ça et puis je l'observe. Et elle m'a montré que j'ai eu raison, en fait. Elle se lève le matin tôt, elle court, elle va ici, à Djamé, elle rentre là-bas, je l'observe, je la regarde. Je vois qu'en fait, elle a su tirer le meilleur de moi. Au lieu d'être juste à côté d'Emma Loès, elle s'est dit, aujourd'hui, je suis... Souvent, elle m'appelle maman, hein. Maman... ou bien, c'est quoi qu'elle, beaucoup, badois, je sais pas ce que ça veut dire. Mais je suis fière d'elle. J'ai pas les mots justes, en fait, elle le sait très bien. Et je suis fière de l'avoir à mes côtés. Parce que c'est quelqu'un aujourd'hui qui n'acquiesce pas tout ce que je fais. Elle est pas, c'est pas la bénie, oui. Hein. Quand je suis humaine, donc je fais des erreurs. Et Ozoa a la capacité de me dire, Emma, là, tu n'as pas bien fait. Je vais m'énerver. Je dis, oh, non, parce que je ne vais pas reconnaître forcément qu'elle a raison. Ah, comment je t'ai dit ça? Oh, élément. Toi, mais t'es pas ça aussi. Il me parle un peu, mais après, il laisse. Ah, d'accord. Oui. C'est bien de reconnaître ça à la télé. Et toi-même. C'est mon émission. C'est moi qui commande. Vous avez vu comment elle est? Je suis dans l'émotion, mais elle me coupe. Hein? Tu voulais pleurer? Moi? Non? Je suis celle-là. Il faut aussi vont tomber ici devant les gens. Attends, elle pleure pas. Elle pleure pas, c'est pas de mon film. Elle n'a pas de gourmet. Film des blancs. Gourmet. C'est là maintenant, c'est de moi, ça soit, puis elle pleure comme caniche qui est à la maison. Elle pleure pas comme ça. Tu as parlé d'Emma quand elle n'était pas là. Maintenant qu'elle est devant toi, qu'est-ce que tu as lui dit? Qu'est-ce que tu veux dire à Emma? Elle va se gonfler, ça. Pardon, faut dire. Si elle se gonfle là, elle a frappé. Attends, mets mes épaulettes. Toi, tu es quelqu'un. Oh, ta. Parle là-bas. Bon, déjà, je veux profiter de l'occasion que vous m'avez donnée devant tout le monde pour lui dire merci. Merci pour tout. Ne me faites pas pleurer ici. Pardonnez. Je te prends un soupalin. Je ne pas pleurer ici. Par exemple, il pleut vite. Attends, tu as un truc comme soupalin. Parce qu'elle a toujours été là pour moi. Elle me pousse vers le haut. Elle ne m'a jamais laissé tomber. Voilà. Et à Emma, je peux tout dire. Je peux dire, ah, Emma, il vient de tuer quelqu'un. Elle ne va pas dire, mais Ozoa, tu es une sorcière, tu es une tueuse. Non.
Elle m'a dit, allons cacher le corps. Elle m'a dit, allons cacher le corps. Et puis après, bon, voilà. Donc, je voulais lui dire merci déjà pour tout, d'avoir participé à mon éducation. Il y a tellement de choses que j'ai eu à apprendre avec elle. Et je lui suis reconnaissante pour tout. Mmh. Voilà, en retour, je serai toujours là pour elle. Je serai toujours la même personne. Il y aura zéro trahison. Salut, maintenant, tu as tapé deux sacs. Oh, Yvie. Oh, ne faites pas pleurer ma patronne. Ça t'a pleuré aussi. Ça me touche. Non, c'est toi-là qui devais aller dans ma palette. Ça me fait plaisir. En même temps, ça me touche. Oui. Et puis, je dis vraiment, Emma, tu as beaucoup de chance. Parce que tu connais pour moi. Je connais pour elle, c'est pour ça. Je connais tu as beaucoup de chance. Tu as eu vraiment, Dieu t'a béni avec Ozoa. Hein? Vraiment, il faut prendre soin de cette petite-là. Elle est bien. J'étais toujours dit oui, ça. Oui, tu m'as toujours dit ça. Je t'ai dit Ozoa seulement, là. Elle est bien. Franchement. Oui, elle m'a toujours dit ça. Et puis, c'est la sœur Ropero. J'ai pris sa photo, mets sur ma page. Elle m'a toujours dit ça. Mais quand d'autres personnes viennent, elle dit Emma. Oui, oui. J'ai dit quand non, les gens s'approchent. La maman, elle dit les mains hauts. Oh, les mains hauts. Moi, je connais. Même en emprisonnement, on a toutes vécu ça. Et mais c'est Dieu qui nous a épargnés. Et puis, sinon, rip franchement, de... maman Léa n'est pas... Maman rip là. Nous rip, hein. Maman Léa n'est pas là. Donc, c'est toi qui es là. Oui. Faut bien la regarder. Tu as compris? Ah, y a, tu prends la Côte d'Ivoire des moins. Ozo, à partir de aujourd'hui, elles sont trois. J'ai si trois elle te fait quelque chose qui ne te plaît pas, sa tu nous dis. Et puis, même, on va venir dire ça à la télé.